Quel est ce bruit? Et... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et oui, je vous ai trollé, je vous ai fait une deuxième partie, et oui, parce que c'est trop long en fait. Oh non! Il a feinté! D'ailleurs, Ganondorf, il a les cheveux longs en fait. J'utilise L'Oréal! Non, c'est pas possible, il ne peut pas utiliser ça! Ça n'existe pas dans ce monde! Oh, il s'est transformé en cochon! Cochon Ganon! T'as un gros ventre, Ganon! Oh non, il m'a enlevé mon épée! Ah, mais c'est la nulle, alors j'en ai pas besoin. Je vais te battre avec Bigron. Cette fois-ci, je ne fuirai pas, nous combattrons ensemble! Hé hé! Eh bah oui, mais quand même, j'ai envie de dire ce combat final. Voilà. Alors. Allez! Ganon, arrête de danser! Oh là là, je danse! Je suis heureux! En joie! Ganon, mais quel est son passable? J'en sais pas! J'en sais rien, moi! J'en sais pas, oui! J'en sais pas si tu veux! Bon, Ganon, tu veux bien arrêter de tourner en rond, s'il te plaît? Non, j'aime tourner en rond, et en plus, t'es derrière moi. Oh, il m'a touché, il y a plein de bombes. Mais je crois qu'on peut utiliser tout, en fait, ici. On peut utiliser les flèches de lumière. On peut utiliser les bombes. Oh, Zelda, il faut pas crier, voyons. Plus tu cries, plus ça me fait crier. Voilà, après je fais yeah, yeah. Oh, tu es déjà battu. Tu me déçois, Ganon. Bouh, l'épée de légende est ici, vite. Salut Zelda, comment ça va? Oh, je suis heureuse. Frappe-le avec l'épée de légende. Seule la lame sainte peut terrasser Ganon. Oh là là. Oh. Allez, hop, bam! On est cruel, nous, on l'attaque alors qu'il a rien demandé. Et qu'il était en train de se relever. Ah bah oui, vous croyez quoi? Que je vais me battre en mode normal? Moi, je suis Bou! Je me bats en mode Luigi! Luigi mode! Regardez-moi comme je glisse! Je suis fait en savon! Bon, Ganon, tu veux bien arrêter de tourner en rond? Arrête de me faire glisser. C'est pas encore le temps de nettoyer le sol. Oh, mais Ganon, en plus, tu me feintes. Voilà, je vous présente Ganon, le cochon. Personnage que l'on peut jouer dans Hyrule Warrior. Bien qu'il est plus grand. J'allais dire plus petit, mais non. Celui-là, il est plus petit. Bon, tu veux bien arrêter de me faire glisser? D'ailleurs, pourquoi j'ai encore ma bouteille? Ah, mais arrête de me toucher, t'es pas sympa. En plus, je crois que j'ai fait la technique pour éviter les coups. Voilà, ça sert plus à rien, mais je vais quand même vous l'expliquer, voilà. Donc, vous avez besoin d'esquiver des coups, mais voilà, le bouclier c'est trop nul et tout ça. Bah, il y a un truc qui est magique, c'est faire une roulade. Si vous faites une roulade et que vous faites toucher en même temps, à une certaine frame... Voilà, vous êtes pas touché. Enfin, vous êtes touché par l'attaque, mais vous perdez pas de points. Ça peut être pratique. Voilà. Voilà, notamment quand Ganon, il veut pas nous laisser approcher. Alors, qui va mourir, moi ou Ganon? Qui va mourir, Ganon ou moi? Ah bah, c'était moi. Bah, désolé, j'ai pas pu sauver la princesse. Non, je vais mener à la timeline du game over. C'est pas normal. Non. Oh, mais il triche. Oh purée, je vais me faire expulser dans tous les sens. Je suis triste. Bon, Ganon, arrête de tourner en rond. Mais voilà, tu m'as de nouveau feinté. Ça se fait pas. Tu sais que ça se fait pas. Bah oui, mais toi tu m'as attaqué alors que j'étais couché par terre.
Oh purée, je me fais expulser dans tous les sens. Voilà, ne combattez pas ce boss avec les bottes désert. Voilà, et ne soyez pas un baka comme moi. Voilà, il n'y a que les bakas qui battent le boss comme ça. Mais voilà, c'est pour dire... voilà, on a récolté tout ça, le bouclier Gerudo, on a récolté... voilà, les bottes de Luigi. On a récolté la tenue de Ruto. Et on a récolté le bouclier, mais bon. Je crois en fait qu'il faut que je le batte comme ça en fait. Je crois en fait. En tout cas, je lui fais plein de dégâts, mais ça lui fait rien. Ah bah effectivement en fait, fallait juste le toucher avec ça. Bah... Mais moi je veux le détruire avec l'épée Bigoron. Rayon magique, je suis une magical girl. Mes pouvoirs paralysent Ganon, utiliser l'épée pour lui porter le coup de grâce. Oh, c'était trop fatigant. Maintenant, je me repose. Waouh, ces yeux de Link. On dirait les Mi. Zelda. J'allais tirer sur Zelda, c'est pas gentil. Tiens, Ganon, mange. Mange. D'ailleurs, je crois qu'il peut pas se relever. Ah ah, mange, Ganon, mange. Mange des missiles teigneux parce qu'on n'a pas pu les voir pendant le let's play. Ou pas tellement. Aïe. Oh, pauvre Ganon. Si sage, maintenant. Pouvoir Magical Girl. Allez, Magical Saria, Magical Darunia, Magical Ruto, Magical Naboru, Magical Roru. Ouais, Magical Roru, c'est le meilleur. Et Magical Impa. Ouvrez le saut dimensionnel et renvoyez l'incarnation du malin dans le vide infernal. Oh là là. Je prie pour toi, Link. Allez, Bou. Vas-y. Toutes les Magical Girls sont avec toi. Et oui, on vous l'a menti, Roru et Darunia, c'est des Magical Girls en fait. Mais du coup, le Saint Royaume, c'est ça? Enfin, le Sanctuaire des Six Sages, il est où? Toi. Sois maudite, Zelda. Peste, sois des sages. Magical Girl, je t'en prie. Je te maudis, Bou. Ok, ça fait tellement bizarre. Un jour, ce sceau se brisera et... Je tuerai de mes mains tes descendants. Oh non. Oh mais on s'en fiche, ça va faire... ça va faire comme dire au dictatorial grimoire. N'oublie pas, les fragments de la force est toujours dans ma possession. Ouais, parce que dans dictatorial grimoire, il y a les frères Grimm, ils ont promis la vie de leur descendance pour voler les comptes. Voilà, ils sont pas sympas. Et du coup, il doit se protéger. Merci, Bou. Grâce à toi, Ganondorf est prisonnier du royaume infernal. La paix et la justice vont de nouveau régner dans ce monde. Et ce, pour longtemps. Je suis responsable de tous les maux d'Hyrule. Ouais, t'as exterminé le peuple Sheikah, ça je le sais. J'étais si jeune, j'ignorais que le contrôle du Saint-Royaume pouvait entraîner une de telles troubles. Je t'ai fait prendre beaucoup de risques. Il est temps pour moi de réparer mes erreurs. Laisse derrière toi l'épée de légende et scelle les portes du temps. Mais en faisant cela, les chemins du temps se fermeront à jamais. Link, fais-moi un bisou. Non, je plaisante, rends-moi l'ocarina. Il est à moi, voleur. En tant que sage, je peux te renvoyer dans ton temps. Mais du coup, Zelda, elle va régner sur... sur le monde là, détruit avec Ganondorf, tout ça, le village Cocorico et tout ça. Et Link, il retourne dans un autre passé. Quand la paix reviendra à Hyrule,
Il sera temps de nous dire adieu. Mais ce n'est pas grave, nous nous reverrons dans quelques jeux. Rentre chez toi, Bou. C'est fini! Rentre! Ta maison, là où est ta place, là où est ton temps. Rentre chez toi, Link! Grandis et tu verras. Zelda, pourquoi tu fais ça? Elle m'a enlevé mes bottes de Luigi. Eh, pas sympa. Merci, Bou. Adieu. Oh, t'es pas sympa, Zelda. Pourquoi on est obligé de se dire adieu? Et voilà. Et oui, c'est la fin du Let's Play. D'ailleurs, le pont, il n'est pas là. Ça m'avait jamais choqué, mais là, ça me choque. Voilà. Bref, j'espère que ce Let's Play vous aura plu. C'était long. C'était très long. Pour ceux qui ont suivi, félicitations, vous êtes à la fin du Let's Play. Bravo. Allez, un clap clap. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est long. Autant le jeu, il est vraiment bien quand on y joue de son côté. Autant en Let's Play, j'avoue que c'est quand même long. Ouais. Bon, il y a pire, mais il y a quand même mieux. Ouais, parce que j'ai vu que quand même, il n'y avait pas beaucoup de gens qui regardaient quand même les Let's Play de Zelda jusqu'au bout. Bon, après, je suis d'accord. Non, je suis pas d'accord, c'est... Je comprends qu'on n'ait pas le temps de regarder tellement de parties. Donc, ce n'est pas grave, je ne vous en veux pas. Après tout, cette partie, ça sera la plus vue du Let's Play parce que, c'est la fin. Non, il y aura aussi le début, il sera beaucoup regardé. Enfin, bref, voilà. Alors, Ocarina of Time, c'est un jeu qui a bercé mon enfance. Qui m'a donné des rêves et des cauchemars. Voilà, bongo bongo. Et les pierres ancestrales, elles sont super jolies. Moi, je veux les mêmes. Et cette chanson de fin, elle est trop bien. C'est un super... comment ça se dit crédit. J'aime ces crédits. Je me souviens que la première fois, à ce moment-là, quand Malone, je commence à chanter, j'ai versé ma larme parce que, même aujourd'hui, ça m'arrive encore. Parce que c'est tellement beau de finir ce jeu. Ouais, il y a plein d'herbes qui ont poussé dans le village. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est temps de faire un peu de ménage. Et des pierres aussi. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin bref, Epona est partie, vu qu'elle n'a plus personne sur qui compter. La pauvre, quand même, elle se retrouve toute seule. D'ailleurs, Ruto, on l'a trollé, on était censé se marier avec elle. Nous, on est reparti dans notre temps, là où elle nous a jamais demandé. Ah, Link, t'es un vilain coquin. Tu repars dans le temps pour éviter les mariages et tout ça, et de tenir tes responsabilités. Les feux de la joie. Enfin bref. Je compte quand même faire Majora's Mask. Bon, pas tout de suite, évidemment. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà. Il est prévu. Voilà, j'ai juste pas envie de faire deux Zelda de suite. Ça sera trop. Et comme dit, voilà, j'ai fait un vote sur via Astropole. Voilà, les résultats sont tombés. Vous avez choisi finalement SMSR. Voilà. Oh, il chante avec des voix de fille, c'est trop bien. Malone, tu es trop forte. Tu chantes trop bien. Oh, vous cachez ceux qui ont pas de jambes, c'est pas bien. Oh, la danse des Gerudo. Mais tout le monde n'est pas en joie. Mido a perdu Saria. Le roi a perdu sa fille.
Non mais c'est triste. Parce que bon, c'est pas dit explicitement que qu'ils ont disparu ou quelque chose comme ça. Ils sont peut-être comme Médoli dans le temple et tout ça, a prié leur le dieu, mais voilà, c'est triste. Voilà, ils reverront plus jamais leur ami. Ah, le Super Mario Club. Remercie le Super Mario Club. Voilà. Et voilà. Enfin bref, j'espère que ce let's play vous aura plu. Bou revient dans son temps. Enfin! Je vais pouvoir vivre ma vie d'enfant. Voilà, et mon enfance joyeuse. Ha 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 ha. Ah, Navi. En plus, récemment, j'ai lu une théorie sur Navi, c'est trop triste. Au revoir, Navi. On se reverra peut-être un jour. À bientôt, Navi. C'est triste. Moi, j'étais triste à la fin de ce jeu. Moi, ça me rendrait triste parce que Navi, elle part, on abandonne Zelda. C'est triste. Présenté par Nintendo. Et voilà, j'espère que ce let's play vous aura plu. Et à la prochaine pour le nouveau let's play. Mais qu'est-ce qui se passe? Que fait-on dans la cour du château? Zelda? Zelda! J'ai à te parler. Oh, mais qui es-tu? Ganondorf, il a détruit le futur dans le passé. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais si, comme dans ton rêve. Ah oui, c'est vrai. Allons le dire à mon père. Et c'est ainsi que Ganondorf fut arrêté. Et que Hyrule ne sombra pas. Enfin, ça, c'est la théorie populaire. Et voilà, j'espère que ce let's play vous aura plu. Et à la prochaine pour la suite. Au revoir tout le monde. Et normalement, ici, il y a la chanson de l'épouvantail, si jamais. Mais bon, ça, c'est une théorie, je l'ai jamais entendue. Au revoir.